Ok. Oh, Aïta. Tu ne joues rien, non? Pourquoi? Parce que... Aujourd'hui, on a tendance à voir le cinéma camerounais comme le fait de vouloir amuser le public, faire de la comédie, de langage, ou alors exprimer ce qu'on veut ressentir pour quelque chose de vulgaire. Non. Il n'est pas forcément instructif en ces termes-là. Il n'y a pas vraiment de scénario et tout. Les gens n'écrivent pas. Et en fait, ils improvisent. Je pense qu'avec toutes ces erreurs-là, et puis les Camerounais se découragent déjà, je pense qu'il est désormais possible que la génération qui vient puisse prendre le relais. Et je pense que le fait qu'il n'y ait pas de salle de cinéma et qu'il n'y ait pas des conditions assez propices pour développer le côté cinéma au Cameroun ne devrait pas être un handicap complet pour l'évolution du cinéma au Cameroun. Que nos productions sont pour l'Afrique. Nous faisons du cinéma africain. C'est vrai, nous sommes camerounais à la base, mais nos productions sont beaucoup plus orientées, panafricanistes et tout. Donc nos productions ne sont pas uniquement pour les Camerounais.